Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Micro Baladeur. Pour le compte de ce jour, nous allons encore nous focaliser sur une question de couple. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? La question est donc lancée. Mais bien avant, faisons un clin d'œil à notre partenaire du jour. Situé à Comé, sur la voie d'Akodeha, en face de la rue de Pétou, à 2 kg. Prêt-à-porter Tchéqué est spécialisé dans la vente des articles pour enfants, femmes et hommes. Vous y trouverez des chaussures, des sacs, des chemises, des pantalons et bien d'autres. Infoline 95 34 28 67. Établissement Tchéqué Prêt-à-porter à Comé est le partenaire de cette émission. Alors, si je vais me référer à Jean Pléya, un éminent écrivain béninois, dans son livre La Fétiche, disait: la polygamie humilie la femme et compromet l'éducation des enfants. Je vais aussi prendre un exemple dans la Bible. Si vous voyez Abraham dans le livre de Genèse, qui a premièrement Sarah comme épouse, ensuite il y avait Agar. Agar qui a été la première à concevoir pour Abraham, a donné Ismaël, voilà. Alors que Sarah finit par donner Isaac. Et les deux femmes ne sont jamais entendues, ce qui a même amené Abraham avec un contre-cœur à chasser même son épouse. Bon, celle-là qui lui a fait premièrement d'enfant, je parle de Agar, mais il n'y a jamais entente entre les deux descendants, les descendants de Ismaël et les descendants de Isaac. Nous avons plein de vices que la polygamie véhicule ou crée. Je ne souhaite pas que nous nous mettions dans cette option-là, parce que lorsque Dieu dit, toujours dans le livre de Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. Moi, je suis contre, parce que la polygamie a des conséquences énormes. Si tu as beaucoup de femmes, c'est grand peut-être que tu auras la capacité de satisfaire leurs besoins. Et ça entraîne le désastre dans le foyer. Un homme qui décide de prendre deux femmes, quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il va chercher chez la deuxième femme qui n'a pas si la première? Donc moi, je crois que au lieu de chercher ailleurs, c'est de chercher plutôt à améliorer son couple et à se comprendre, parce que dans un couple, là, c'est la complémentarité. Dieu même l'a déjà dit au début qu'il a créé la femme, il a créé aussi l'homme, Adam et Ève, et qui formeront une seule chair. Voilà. Mais nous avions vu de là que les Seth sont nés, les Noé sont nés, Abraham sont nés, mais ils n'ont pas pu respecter l'ordre que Dieu a donné. Et Dieu, par là, il a dit dans 1 Samuel 2:2 que l'un est saint comme lui. Déjà que l'un est saint comme lui, nous avions vu qu'avec les Salomon et consorts et tous ont commis les mêmes choses. Mais à l'arrivée de Jésus, nous avons vu que c'est la grâce qui a commencé. Et cette grâce a fait que nous avions vu l'apôtre Paul qui évangélisait la parole de Dieu en disant pour que la paix y ait dans le foyer, pour que l'impudicité ne soit pas quelque chose de vulgaire, que la femme choisisse son homme et l'homme choisisse sa femme. Lui, il a dit, mais il n'a pas dit « Dieu a dit ». Il a dit selon ce que vous m'avez écrit dans le 1 Corinthiens chapitre 7, ce que vous m'avez écrit, j'ai vu que c'est bon que l'homme ait sa femme et que la femme ait son homme. C'est très important, cette partie. Et beaucoup de chrétiens ont appliqué cette partie en oubliant la partie que Dieu a dit qui arrivera dans Ésaïe
4 versets premiers, et qu'il arrivera que 7 femmes se leveront contre un seul homme en disant, porte-nous seulement ton nom, nous mangerons ton pain. Porte-nous seulement ton nom. Et en ce moment, beaucoup de gens ignorent ce passage. Mais la seule chose est que quand j'ai 2 femmes, je dois survenir à leurs besoins. Nous, étant hommes de Dieu, qui sont des dévanciers et qui sont des responsables, nous devons avoir une seule femme, uniquement une femme. Polygamie, c'est bon. Bon, parce que si tu es seul avec une seule femme, c'est pas bon. J'ai perdu ma femme. Donc, si j'ai tout, j'en avais 2. Je sais que celle qui est là maintenant va remplacer celle qui est partie. Chers internautes, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission micro-baladeur. Retenons simplement que la polygamie n'est pas un jeu d'enfant, mais une question de responsabilité. D'ici là, portez-vous bien.